Mate amako pesa mananda kwa mbuu bayembi amo kiliba konzembe la kaka ya wengulo ye 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 ebongi peto zala na machete na maboko ya kulungu na machiti ya mwezi panzela nzela ya nanyo nzela ya mbuu kosoko la mitema. Ouais.
Ok, d'accord. On est là, on est là, on est là, pas de soucis. Bon, c'est parti. Hein. Attends, s'il te plaît. Alors, cher sapeur, c'est avec une émotion toute particulière que je permets de prendre la parole pour vous remercier déjà d'être venu ce soir pour cette réunion. Vous savez, comme on l'a dit, je pense bien que nous tous, nous avons pensé à ça quand on était jeunes, faire de sa vie un rêve pour faire de ce rêve une réalité. Donc la SAP aujourd'hui, en fait, c'est une réalité. La SAP, c'est, comme vous le savez, moi je ne suis pas sapeur, c'est dans, entre vos mains, hein, vous connaissez toutes les définitions de la SAP, la Société des Ambulanciers des Personnes Élégantes. Et il y en a qui portent ce phénomène dans leur gène, en particulier les Congolais. Donc il faut reconnaître quand même que la SAP est née au Congo Brazzaville, à la fin, après les indépendances. Je pense que les Congolais se sont inspirés. Les colons qui étaient là, et ils ont créé un mouvement aujourd'hui, donc le mouvement de la SAP. Ça sonne. Oh, ça sonne là. Les Congolais ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés là juste pour la création de la SAP. Ouais. Mais ils ont quand même exporté ce mouvement sur toute la planète. Ok. Mais certains sapeurs ont sorti cette SAP des ghettos. Parce qu'à l'époque, à Brazza, partout, à Vélizy, à Pointe-Noire, il y avait des mouvements dans les années 70. Moi, j'ai vécu ça. Un jour, dans les années 80, je regardais la télévision, la télé-Congo. Et puis, à la fin du journal, on annonce que non, on va montrer un Congolais qui habite Paris. Qui s'appelle Joe Ballard. C'est quoi cette histoire? À la fin du journal, effectivement, il y avait une émission qui passait sur Télé-Congo. C'était à l'époque France 2 qui à l'époque était Antenne 2, qui montre un Congolais qui était dans un studio où il y avait je ne sais pas combien de paires de chaussures. Et on l'interviewait, j'ai dit, mais c'est qui ça, ce monsieur? Non, c'est Joe Ballard. Oh, c'est un sapeur. Je dis, ah bon, mais c'est... Je savais même pas que plusieurs années après, j'allais être assis à côté de lui comme ça. Donc, pour vous dire que c'est quand même un phénomène qu'il faut prendre au sérieux, les Congolais ont exporté ce mouvement à travers toutes les frontières dans le monde entier. Mais je pense qu'il est question aujourd'hui, aucun sapeur n'a écrit l'histoire de la SAP. Aucun sapeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas une bibliographie sur la SAP. Je sais qu'il a été élu roi de la SAP dans les années 80, et que Ben Moukachakiela a créé ce qu'on appelle la sapologie. Pour moi, par rapport à mon domaine, la sapologie, c'est cette science qui étudie la SAP. Et il a mis en place un certain nombre de choses. Moi, je ne maîtrise pas, je pense que lui-même, il est là, il prend de la parole. Et donc, les grands, en fait, c'est des monuments de la SAP. Mais comment voulez-vous que quelque chose qu'on a créé, nous, qu'on a exporté dans le monde entier, qu'il n'y ait pas un événement, chaque année, on n'en parle pas. Chacun dans son petit coin. Moi, c'est la première fois aujourd'hui que je vois Philippe Jeune et David Jeune, c'est un grand sapeur. Mais finalement, il est dans l'ombre. On n'en parle pas. Si vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Le but de la réunion de ce soir, c'était de créer, je pense que c'est le roi qui a réfléchi là-dessus, il faut créer une journée mondiale de la SAP. Une journée mondiale de la SAP, chaque année, qu'on célèbre cette journée comme la journée des droits de la femme. Je pense qu'on avait fait un speech avec lui, on avait discuté, on avait trouvé que voilà. La journée des droits de la femme, c'est le 8. Est-ce qu'il ne faudra pas aujourd'hui, on va discuter ensemble, de toute façon, il faudra trouver un consensus sur
qu'il est l'unanimité, de trouver une date, 10 jours après le 8 mars, le 28 mars, est-ce qu'on ne peut pas créer la journée internationale de la SAP? C'est-à-dire que le mouvement doit partir de Paris et ça doit traverser toutes les frontières. Voilà un peu le but de cette réunion. Être sapeur, c'est pas effectivement pas que être bien habillé, comme on le dit, hein, élégant et tout, mais il faut éduquer également la société. Parce que là, il y aura un moment, cette génération, notre génération, on va disparaître. Mais qu'est-ce qu'on va léguer à la génération ascendante, les futures générations? Donc, c'est pourquoi on a pensé à cette journée-là. Et puis, chaque journée aura un thème. Chaque journée aura un thème. Par exemple, qu'est-ce que les sapeurs peuvent faire sur l'éducation des enfants? Ça, c'est les thèmes qu'on peut développer. Voilà. Qu'est-ce que les sapeurs peuvent faire sur le plan sanitaire? Parce que être sapeur, c'est bien. Mais quand vous demandez à un enfant, toi, tu es un futur sapeur, il faut aller à l'école. Le sapeur contribue. Cet enfant-là saura que pour être bien habillé comme ça, quand je vois Ben Moukacha, quand je vois le roi de la SAP tel qu'il est habillé là, je vois Philippe. Mais ils ont dépensé de l'argent. Mais si vous ne travaillez pas, comment pouvez-vous acheter, comment pouvez-vous être sapeur? Parce que le sapeur, c'est celui qui s'habille. Donc, ça, c'est des thèmes qu'on pourra développer chaque année sur le plan sanitaire. Un sapeur doit avoir une bonne santé aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les compatriotes, enfin, toute personne dans le monde entier, comment aider ces personnes pour avoir une bonne santé? Je sais. Donc, le sapeur, c'est celui qui va aussi donner des conseils. Voilà. Voilà, et puis voilà. Bon, voilà, c'est le docteur Joukane Ben. Voilà ce que je voulais dire pour cette soirée. Parce que quand je lui ai parlé de cette idée, il a dit, bon, je veux contribuer à ça. Quand vous voyez ce qu'il a sur la table, celui qui a contribué pour tout cela, pour nous construire les sapeurs. Bon, voilà, cette idée m'est venue comme ça. Et puis, la journée de la femme, et je dis, pourquoi pas la journée de la femme. Alors, pour nous, les sapeurs, c'est pour éduquer la jeunesse. C'est pas que sur la SAP. Parce que moi, j'ai une fondation, j'ai une association. Funijun a une association, Ben Moukacha a une association. Donc, c'est-à-dire que ces associations, elles sont faites pour créer, pour aider la jeunesse. Enfin, ça, vous savez que ce n'est pas les études, il n'y a pas que les études. On pousse la jeunesse à prendre le métier. Donc, ces jours de formation, la journée de la SAP, c'est pour faire beaucoup de séminaires, pour former les jeunes, pour leur aider à prendre le métier ou d'aller à l'école. Pour pousser les jeunes, parce que arriver là où nous sommes, on a travaillé pour arriver là. Maintenant, c'est la jeunesse qu'on pousse pour être comme nous. Il faut qu'ils apprennent le métier. Quand tu n'arrives pas à l'école, tout le monde ne peut pas aller à l'école. Donc, il faut apprendre le métier. Il faut le former. Donc, c'est pour ça que cette idée m'est venue pour aider. Parce qu'il y aura des concerts, des concerts des diplômés dans le monde entier. Cet argent va permettre à une fondation pour créer des écoles de formation pour aider cette jeunesse. Que nous, on a fait des. Après nous, il faut qu'il La relève. La relève, parce qu'il faut perpétuer le mouvement. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a créé ça pour la promotion. Pour moi, je ne sais pas trop comme tu l'as dit, parce que tu l'as déjà fait. Après la ville, déjà, ils ont déjà lancé les affiches, ils vont faire leur soirée le 22 mars. Donc maintenant, nous ici, c'est pour voir qu'est-ce qu'on va faire, quelle date, l'année prochaine, parce que là, nous, c'est l'année prochaine. Moi, mon problème, c'est qu'on a une salle l'année prochaine. Si on est d'accord pour avoir une salle, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord pour avoir une salle, moi déjà l'année prochaine, je sais où faut-il aller lancer cette affaire. Donc nous, le Congrès, c'est comme ça. Quand on commence une affaire, ça fait disparaître. Alors, après la réunion, on ne verra plus personne. Parce que quand j'ai commencé à créer ma fondation ici, tout le monde était là. Après, ils ont disparu, j'ai créé la fondation. Elle est déjà créée. Donc ça veut dire que ici, le Congrès, il faut qu'on soit souligné. Le problème qu'on a, on ne s'aime pas. Aimez-nous les uns les autres. On travaille parce que le flambeau que nous portons, on a des enfants derrière nous qui nous suivent. Tous les jours, Ben Moukacha, fait déjeuner, tout voilà, on est comme ça. Mais et puis, nous, on va les laisser voir. Le nom là. Non, il faut qu'on les aide aussi à devenir comme nous. On les aide à créer les écoles. Le but, c'est ça.
toi. Faut pas que, oh non, le job à la fin de journée, ben on casse ça, on le consacre. Non, non, faut qu'on les crée, on les forme. Qu'on dise que non, il n'y a pas que non, non. Mais vous aussi, vous soyez comme nous. Il faut qu'on vous aide à faire quelque chose. C'est à cause de ça que j'ai eu l'idée de créer, je venais de la SAF. Une internationale. Une internationale de SAF. Maintenant, ça vous de quoi? Brazzaville a déjà pris. Là, je dis que samedi, là, le 28, à Brazzaville a déjà mis des banderoles dans le monde partout. La Côte d'Ivoire m'a appelé, le Cameroun m'a appelé. Et pour eux, comme c'est en Afrique, ils ont des moyens par rapport à nous. Parce que nous, il faut qu'on ait la salle. Si on peut prendre la salle l'année prochaine, on aura un débat à faire. Merci. Félix-Jeune, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Bon, bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas grand-chose à dire. Déjà, j'ai répondu présent par rapport à cette invitation. Moi, je suis sapeur et le roi. Job Allard m'a appelé, on a discuté, ben, j'ai dit ben je serai là, pourquoi pas. Parce qu'il faut être toujours derrière quelqu'un. Et les Congolais, qu'est-ce qui manque chez nous? On n'aime pas être derrière quelqu'un. Donc à un moment donné, il faut se faire petit. Je pense que vous-même vous le savez, je suis le petit frère, je suis moins âgé que le grand frère Job Allard. Que Nokosona, que Yaben Mukasha. Et moi, je pense qu'on va discuter ensemble parce que il y a la SAP et la sapologie. J'ai pensé à ça quand j'étais à la maison. Je me suis dit, ben, c'est une journée internationale de la SAP. Et où est la place de la sapologie? Ça, on va en discuter. Je pense que il y a aussi des gens qui sont plus intellectuels que moi. Je suis qu'un sapeur de la République. Voilà, donc on va discuter et puis j'en ai terminé hein, la parole. Je donne la parole à monsieur le président à vie, le grand Ben Mukasa Lombwela. Ouais, mais bon, merci Fijani, merci Yadjoubala. Je crois que c'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée parce que au-delà de tout ça, au-delà de parler de la SAP, de parler de vêtements, l'argent, il faut se rendre compte quel est le but précis. Parce que ce que nous voulons, à l'époque, nous avons vanté les grands couturiers, à l'époque, nous avons vanté l'hégémonie et sapologique occidentale. Donc, à un moment donné, il faut penser que pour que nous ayons l'utile à l'agréable, il faut que l'Afrique se retrouve dans cette philosophie, dans cette idéologie. Il faut que les couturiers, les modélistes, les stylistes, et j'en passe les meilleurs, les mannequins, tout ça, il faut que ça fasse quelque chose de très bien parce que il faut que demain, le moment qui va au marché. Et, verra son panier rempli parce que il y a son fils qui est couturier à Mbandaka, il y a sa fille qui est mannequin dans une maison de couture africaine et puis aujourd'hui qui fait les murs, qui fait des choses. C'est ça qu'il faut plutôt penser en faisant prenant cette journée internationale, parce que moi je vais préférer passer qu'on ne parle pas d'international, mais qu'on parle journée mondiale, parce que journée internationale, là ça c'est un peu partout. Parce qu'il y en a déjà à Kinshasa, déjà il y a eu une journée internationale de la SAP qui est pour le 10 février. Il y en a un peu partout, donc il faut essayer de changer surtout la connotation, sinon après ça sera un peu. Après ça ne sera pas trop sérieux parce que tellement trop qu'à la fin on ne sait pas qui est capot, qui est grenouille. Bon, en tout cas, pour remettre un peu à tout, puisque au fait, tu sais, les débats de cette débat, il y a une possibilité, il y a une facilité. Quand on parle de la SAP, on parle de la sapologie. Donc on pourrait mettre journée de la SAP et de la sapologie. Quand cela ne tienne, chacun aura sa propre idée. Je peux dire journée mondiale de la sapologie, comme journée mondiale de la SAP.
Donc ça revient à dire qu'il faut lier les deux, parce que blanc bonnet, bonnet blanc. Parce que quand on parle de la sablerie, on parle de la sable. La sable, c'est quoi? La sablerie, c'est une simple connotation, c'est-à-dire que c'est une simple expression qui est rajoutée par le logos, qui exprime la science, le savoir. Le savoir de la sable, si tu veux. Parce que dans les dicots de nous, quand on parle de la science, c'est le savoir. Il suffit tout simplement de dire, dans le dicot de mots, le savoir de la société, des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est aussi simple que ça. Et donc, voilà. Et donc, du coup, nous devons plutôt penser, comme l'a dit Djobala, comme vient de dire d'abord Lucas, nous n'avons pas des écrits, il n'y a pas d'écriture, n'est-ce pas, comme faisait, si on peut prendre de Baudelaire, par exemple, Baudelaire, qui était un grand dandy, hein, Baudelaire, un grand dandy, mais qui était aussi un philosophe qui a écrit. Donc quand tu vois dans les chansons, dans le dandisme, ou quand tu lis les livres de Brumel, tu sens qu'il y a du, il y a de la matière. Et donc quand est-ce qu'on écrira, par exemple, bon, on va parler de la sape, ou un sapeur va écrire. Parce que le fait, ce n'est pas apprendre, moi je suis écrivain, mais c'est quelqu'un qui est acté, qui est ancré là-dedans, c'est-à-dire que qui est un pratiquant. Parce que celui qui écrit bien un livre, c'est celui qui peut relater les choses, c'est celui qui pratique, qui connaît le roi, parce qu'il y a des, certaines expressions que nous utilisons, que parfois quand tu les dis à des gens, ils ne comprennent pas c'est quoi. Or, sauf le sapeur que je suis qui peut se rendre compte que voilà, l'expression veut dire ceci, cela. Mais en tout cas, Yadjo, c'est une très très bonne idée. Moi, en tout cas, je pense que maintenant, c'est d'étudier entre... C'est aussi le 28 mars, je t'avais dit dernièrement que le 1er mai, au Congo, il y aura la journée de la SAP au Congo. Donc, c'est ce qui va prendre le... On va acter ça par rapport à la date de la mort de Rafa. Donc, du coup, c'est pour ça que, au lieu que nous parlons d'international, mais encore qu'on fasse comme on a fait avec journée mondiale. Tu vois, avec la journée mondiale, on sait que, bon, voilà, et puis avec, en mettant un narratif... sérieux pour un narratif, c'est-à-dire que du coffre, c'est-à-dire que surtout l'objet. L'objet, de mettre en place tout ça, et puis ben, voilà. Donc on commence la première réunion, ça ce n'est que une première réunion peut-être de contact, après il y aura des réunions de travail jusqu'à arriver à élaborer, parce qu'il nous faut jusqu'à de mettre en place les structures. Mondial de la SAP, quoi. Hein? Donc moi je pense que c'est une très bonne idée. Djobala, félicitations. Félicitations en tout cas. Et je crois que au-delà, c'est comme venait de dire Djobala de Filizioni. Et dit, bon, Busso, nous c'est quoi? Dit, quand on sort, il y a toujours un qui sort. Tu sais, parfois les idées. L'idée, c'est un qui commence. De toute chose, il y a toujours un qui commence. Et les autres emboîtent le pas. Même toutes les expressions sorties, quelles que soient, regarde, Filizioni, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, quand on parle de charger, oh non, je veux le charger. C'est lui, il a sorti beaucoup d'expressions sapologiques qu'aujourd'hui est devenu un jargon de la sapologie, un jargon de la sap. Mais aujourd'hui, les choses ne se rendent pas compte. Nous savons, il y a beaucoup, zéro kilomètre, c'est lui qui sort. Nous savons 0 km c'est quoi chez un sapeur? C'est quoi 0 km? C'est un habit ou un vêtement ou une chaussure qui est portée pour la première fois. T'as dit 0 km. Donc c'est pas encore porté. Donc tout ça, avant, il y a 20 ans, on n'avait pas cette expression. Aujourd'hui, nous avons cette expression. Mais qui met cette expression en place? C'est Filizioni. Donc ça dit que chacun fait des travaux sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Yadjo a fait des travaux aujourd'hui. Nous avons fait des voyages avec Yadjo. C'est-à-dire, après, tu vois la personne, la valeur de la personne quand tu es. C'est comme ça. Nous, c'est toi qui cherches ça. On sait qui est qui. Voilà. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, il faut, comme dit, il faut quand même laisser les empreintes. Et ces empreintes-là, c'est à travers. Cette journée mondiale où on peut relater, où on peut expliquer, parce que expliquer
des conférences, expliquer à des gens d'où ça sort, tout comment avec des anthropologues, nous allons avoir des sociologues qui vont expliquer l'histoire même de la SAP. L'histoire, par exemple, de passant par les autres jusqu'à Djobala, en passant par les Ben Mokacha et Finzon, les Nokosone et Kembe, les Flavengi, Mike, aussi un sapeur, les Vanessa, il y a l'autre sapeur là qui malgré qu'ils font des photos, c'est un très très grand sapologue, le sapologue de haut standing. Donc on est tous là. Donc du coup, donc, on a compris. Donc le problème, c'est de continuer à perpétuer le mouvement de génération en génération. Parce qu'il faut reconnaître quand même que la SAP est née chez nous. Comme je l'ai dit, et puis on a exporté ce mouvement dans le monde entier. Donc, oui. Mais c'est vous, normalement, aujourd'hui, il faut écrire l'histoire. Il y a des mots, des phrases sorties par Philippe Jeune. Ben oui, mais il faut que ça soit écrit, parce que sinon, la nouvelle génération ne comprendra rien. Vous imaginez un enfant qui est né en Bouti, aujourd'hui, où il est né il y a 10, 15 ans. Ben, on va parler de la SAP, ce n'est pas son problème. Alors que la SAP, c'est un phénomène. Aujourd'hui, je pense que les deux Congos se sont battus pour que la rumba soit le patrimoine de l'UNESCO. La rumba est rentrée. Et pourquoi pas se battre pour qu'un jour la SAP rentre comme patrimoine. Mais il faut effectivement, vous qui êtes au centre, il faut créer un mouvement, non seulement pour perpétuer la SAP, mais pour qu'il y ait des écritures là-dessus. Parce que les gens, au moins, pourront lire. Moi, je connais un peu parce que, bon, voilà, Joe, je suis avec lui quasiment un jour sur deux. Je connais un peu son histoire, comment il a été élu dans une boîte de nuit Orex à Paris, au roi de la SAP. Moi, je me souviens encore, j'étais encore à Brazzaville, j'étais pas à Paris, quand il est allé mettre une paire de chaussures à la banque. Bon, ça, c'est des histoires. Si on n'écrit pas ça, personne ne le saura. Ben Mokacha, comment veux-tu qu'on sache que c'est Ben Mokacha qui a sorti le mot sapologie dans le monde entier? Si ce n'est pas écrit, s'il n'y a pas un support. Donc, aujourd'hui, tu as dit tout à l'heure, tu as cité quelques phrases que Fusion. Qu'est-ce que tu as dit là quand tu portes un costume pour la première fois? Zéro kilomètre. Mais enfin, quand même, la nouvelle génération, il doit connaître tout ça. S'il n'y a pas un support là-dessus. Mais nous sommes appelés à partir. Hein. Chacun de nous aura rendez-vous avec la mort. On sera parti. La preuve. La SAP a traversé le fleuve Congo, c'est parti au Zaïre, à Kinshasa, au Congo de la République populaire, de la République démocratique du Congo. Et ils ont la chance d'avoir des grandes vedettes, des grands musiciens. Papa Wemba, Stervos Niarchos, Emenea Kester. Mais moi, je me souviens, moi j'ai un support dans mon portable, je crois, jeune Afrique, qu'on avait interviewé Papa Wemba dans les années 80. On l'a appelé le roi de la SAP. Il était honnête, hein, ce monsieur-là, personnel. Moi, je l'ai connu, en tout cas, on a discuté comme ça. Mais sur jeune Afrique, je l'ai dans mon téléphone, où il a reconnu. Il a dit non, je ne suis pas le roi de la SAP. Le roi de la SAP, c'est Djobala. Je l'ai là, dans un de mes portables. Je crois que je me souviens, celui-là. Vous voyez? Mais ça, c'est des Papa Wemba qui a... Lui, c'était une grande star, il fait de la musique, il a parlé de la SAP, mais les gens pensaient même que c'était lui qui était le créateur de la SAP. Ben non. C'était une fausse histoire. Mais comme il était honnête, il a reconnu. Il n'a pas dit dans n'importe quel journal, jeune Afrique, et j'ai le jeune Afrique dans mon téléphone. Il a reconnu qu'on l'appelait le roi. Mais vous êtes le roi de la SAP. Il a dit non. Je ne suis pas le roi de la SAP, le roi de la SAP, c'est Djobala. Djobala qui est avec nous, un monument vivant. Il a appelé à partir, à mourir. Qui va raconter sa vie? Qu'il était un jeune Congolais bijoutier qui a gagné, qui a épargné de l'argent. Il a eu ses 25 millions, il dit, mais je pars en Europe. Il a payé son billet à l'époque, il n'y avait pas de visa, il se retrouve en Europe. Un jour, comme cela, il distribue l'argent et tout, il est élu le roi de la SAP. Le roi de la SAP. Personne ne connaît cette histoire-là. Si on ne raconte pas ça dans les bouquins, comment on va le savoir?
Il est parti en Côte d'Ivoire. Alors là, nous sommes quasiment la même génération, mais on n'est pas la même promotion parce qu'il a quelques années de plus que nous. Mais souvenez-vous qu'en Côte d'Ivoire, la photo de Joe Ballard était portée sur les manuels scolaires. Les manuels scolaires. J'étais en les manuels scolaires. Mais comment on ne peut pas raconter ces histoires-là dans le... Ah, excusez-moi. Comment on ne peut pas raconter ces histoires-là Ibonga, je te rappelle, je suis Joe Ballard. Comment on ne peut pas raconter ces histoires-là à nos enfants et à nos petits-enfants? Et que ça soit sur un support dans la symbolique. Comment on peut pas mettre un truc sur un support pour dire, journée mondiale, comme dit Ben Moukacha, journée mondiale à ça, comme ça. Mais qui a créé le nom de la symbolique? Si on ne met pas ça sur un support. Moi, demain, je peux venir revendiquer, hein, dire que c'est moi qui ai créé le mot. Alors, c'est pas vrai. Il faut que ça soit sur un support. Donc, dès lors qu'on va organiser les journées, la journée mondiale de la SAP, il faut effectivement, on va trouver des journées, des gens qui vont écrire l'histoire de la SAP. Sur la place de Paris, on sait qu'il y a le roi, il y a Ben Moukacha, il y a Filizioni d'Alizioni, mais si c'est... Voilà, sur la place de Paris, il faut que chacun raconte son histoire, on met ça sur un support, et demain, l'histoire de la SAP sort. Il y a l'anglais qui est là. Bon, voilà, donc moi j'ai compris. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Là, parce que bon, ça c'est une première réunion. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que l'année prochaine, qu'on fasse quelque chose. Donc, non, mais il faut d'abord qu'on soit unanime sur cette journée qui se crée. Là, on est en train de mettre les prémices, puis la date, une fois on est d'accord, et puis pour mission d'aller porter un bouquet de fleurs au président de la République. Le président de la République regarde comme ça là une belle fille, une Dolisienne. Elle était, je crois, enseignante à l'époque. Le chef d'État tombe amoureux de cette femme-là, alors qu'elle avait une femme européenne, une francadienne, avec qui il a eu ses deux enfants. Et donc, il tombe amoureux de Céline Mvuka, à Dolisi. Donc quand il rentre à l'hôtel, parce que moi je suis là à Dolisi, moi je suis pas à Brazzaville. Moi, Brazzaville, c'était l'université. Une fois que j'ai terminé, je suis parti. J'ai 70. Nous sommes dans les années 70, je dis pas en 70, dans les années 70. 70, j'étais déjà millionnaire. Toi? Mais oui. Non, mais je parle pas de ça. 70, j'étais déjà millionnaire. Non, j'étais millionnaire. Et je suis en bas de l'hôtel. Attention. Et puis j'ai senti que le plus grand sapin, j'étais. Attends, s'il te plaît. Faut dire le prénom. En 70, j'étais déjà millionnaire. Et puis il y avait un club au Congo, le Kopo Tambola. Il y avait un club à Pointe Noire, le Kopo Tambola. Il y avait les Pinzo, les mangas, les Jura, les milliardaires. Et j'étais le plus jeune dans ce pauvre table en 70. Depuis le cahier. Non, non, j'avais le vrai soleil. Depuis le cahier à Moinato. Non, pas des 70. C'est là où j'ai commencé à avoir de l'argent. Je parle, oui, mais je parle. C'est là où j'étais. C'est là où le mouvement de la SAP. Non, je suis non, la SAP a commencé dans le pauvre table. On nous appelle les cracks. On ne s'appelait pas la SAP. On appelle les cracks. On nous appelle les cracks. Non, moi je pense qu'il ne faut pas se tromper de sujet. Non, on continue. On appelait. C'est un sujet sensible. C'était les cracks. Je disais simplement, mais pas la SAP, c'était les cracks. Quand je dis les années 70. C'est bien qu'il y a le bac, c'est un tableau qui lui a dit tu vas saper avec ton, tu vas saper le moral de tes amis. Donc lui, il a pensé que ça, c'est ça. Non, tout simplement. Il dit, ah, Christian, mais la façon dont tu es habillé là, tu vas saper le moral de tes amis, hein, de tes amis. Et c'est sorti. Oui. Et donc lui, dans sa tête, si, c'est, comme il n'a pas connu le bon du savoir, il a pensé que saper c'est ça. Et puis quand il va, ah oui, je suis saper, c'est tout. Et puis quand Diadio arrive maintenant dans le mouvement, quand Diadio prend les galons du mouvement, maintenant c'est là où le livre est qui saper comme Joe Ballard. Parce que saper, ça dit quand on parle. La sape, dans tous les cas, dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Ça dit que saper, ça veut dire... Oui, c'est des sapeurs. Saper... Une autre connotation. Oui, non. Saper, une autre connotation. Non, oui, la sape est en tant que sigle. Mais quand on parle de la sape, quand on parle des habits, quand on prend l'exemple, saper comme Joe Ballard. C'est pour ça qu'on dit saper comme Joe Ballard. Dans le dictionnaire de 92.
ce dictionnaire-là, je l'avais, mais je l'ai perdu en fait plus. J'ai le mouvement. Tu vois. Et donc, l'enfant, le Baki. Le Baki, tout simplement, tellement qu'il n'était pas intelligent, tellement l'enfant mystère. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on dit que le Baki, c'est le Baki qui ramène le mot de sap, sap. Et sap, non. Yadjo connaît. Donc maintenant, c'est le truc qu'a fait l'autre là qui menait la société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est un Sénégalais, je crois, qui donne le sigle. Non, c'est moi qui avais donné le sigle à Mamadou Traoré. Voilà, bon. Si tu veux. Moi, j'avais déjà donné le sigle. Il m'a posé la question, la SAP, c'est quoi? J'ai dit, la SAP, c'est la société des ambianceurs, je l'explique. Parce que lui ne connaissait pas qu'est-ce que la SAP, il me posait la question. Maintenant, si. Et c'est là où j'ai donné le sigle, que non. La SAP, c'est la société des ambianceurs, des personnes élégantes. C'est là où j'ai parlé. Maintenant, si tu le raisonnes comme ça, maintenant, c'est à partir de là que tu peux maintenant expliquer que oui, le mot, effectivement, voilà. Mais quand on arrive au moment. Ce concours-là, maintenant c'est moi qui donne à Mamadou Traoré que la société des ambianceurs des personnes élégantes. Parce que Mamadou Traoré était un DJ. Et donc du coup, voilà. Non, il était directeur d'une boîte de nuit, il n'est pas DJ. DJ c'était Dan. Ouais. Donc maintenant du coup, le petit Dan là, celui qui est venu en état lavé là, voilà, à ton enterrement là. Voilà. Voilà. Dan c'était DJ, Mamadou Traoré c'est le directeur de la boîte de nuit. Voilà, maintenant du coup. Et c'est rentré, c'est à partir de là, c'est dit que quand on fait la genèse, on peut expliquer ça comme ça. Mais oui, mais moi j'apporte un témoignage. Moi ce que je voulais dire, moi, à Dolizy, dans les années 70, on avait déjà, quand je dis les années 70, donc c'est entre 74, 75, 76, il y avait des mouvements. Des sapeurs. Non, ça s'appelait pas des sapeurs. Non, pas les sapeurs. Ça s'appelait des lifteurs. Les craques. Ça s'appelait des lifteurs, des viveurs. Voilà. Dans les années 76, ça s'appelait des viveurs. Moi, ça des craques. Mais quand on parle de sap, ça dans les années. En France. Mais les gars, moi, je vous conseille, mettez ça sur un support. Mais vous, les grands sapeurs, entendez-vous. Mais Philippe, envers nous. Tu es assis entre deux moulins. Ouais. Et toi-même, tu es moi, je suis au milieu. Et trouvons un juriste, quelqu'un qui peut mettre tout cela sur un support. Sinon, notre génération va disparaître un jour. Nos enfants, nos petits-enfants. Revenons à nos moutons. Pardon. Oui, mais revenons à nos moutons. Je voudrais intervenir. Non, mais moi je dis. Nous sommes dans un truc de. Oui, mais pour la journée, bien sûr. On va tuer. Mais pour la journée mondiale, on a l'obligation de créer cette journée, c'est tout. On a créé quelque chose quoi. On a l'obligation de créer cette journée. Tout dépend de vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, maintenant, nous avons fait une réunion, on va aussi faire une réunion. On va voir qu'est-ce qu'on va s'arranger. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Si on tombe d'accord, parce qu'il faut déjà qu'on cause. Il faut prendre d'abord le nom de Paris. Ça s'appelle une réunion. Bon, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Ça s'appelle une réunion informelle. Ouais. Maintenant, il faudra convoquer une vraie réunion où on va mettre. Non, vous voulez pas que eux là-bas, ils ont la facilité de faire tout. Parce que quand j'ai annoncé ça, le gars a fait des banderoles, ils ont mis l'argent en jeu. Bon, nous ici qui va mettre l'argent en jeu. Mais pourquoi ils n'ont pas entendu qu'on fasse ça ensemble les mêmes dates? Non, parce que c'est la réunion. Pour eux, ouais. Nous c'est la réunion. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont en avance quoi. Bah oui. Ils sont en avance. Pourquoi? Mais c'est toi qui nous as déjà en avance. En réalité, quand vous montez, vous mettez un truc en place. Non, c'est toi qui nous as déjà en avance. Il faut le faire au même moment. Sinon, c'est de la cacophonie. Vous ne pouvez pas prendre qu'un mouvement qui est en train de. On crée une journée qui est aujourd'hui. Parce que on parle de la journée, tu ne sais pas qu'est-ce que tout ça va donner demain. Parce que ce mouvement-là que tu vois, ça peut faire que ça tourne dans le monde entier. Et donc, il faut être déjà sérieux dès le départ. C'est tout. Il faut être tout simplement sérieux. Et donc, cette journée-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis de renouer le contact comme ça, maintenant c'est de s'asseoir avec tout est écrit et manifester tout ça. Maintenant, à travers du bâtiment aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, quand on en parle, sans sa part, on sait déjà qu'il y a un mouvement qui se crée.
mais qui n'est pas encore créé à 100%, parce qu'il n'y a pas encore de support. Mais quand on arrive dans la deuxième réunion, tout est scellé, c'est parti. Bon, écoutez, voilà. Donc ça s'appelle des couacs. Hein? Si le roi avait téléphoné, que les gens... ça tombe bien. À chaque chose, malheur est bon. Voilà, ils vont le faire, mais nous, le noyau, c'est ici à Paris. Donc il faut trouver une date, on ne va pas discuter là-dessus. Laisse-les fêter le 28 et tout. Donc si nous ici, si nous avons retenu la date du 28, le 8 mars, parce que 20 jours après la journée internationale des droits de la femme, autant mieux que ce soit le même mois, parce que dès qu'on finit avec les femmes, on passe à la salle. Le combat aujourd'hui, de créer d'abord cette journée mondiale de la SAP, ensuite faire tout ce qui est à notre pouvoir, surtout vous, les grands sapeurs, pour que ça rentre dans le patrimoine de l'UNESCO. Comme la rumba congolaise. Voilà, on forme un bureau. Donc, il faut convoquer une réunion où tout le monde... on va convoquer une réunion, une deuxième réunion. Ça, c'est ce qu'on appelle une réunion informelle. On a des grandes lignes, on s'est dit un certain nombre de choses. Je pense qu'on est d'accord pour ça. Il faut reconvoquer notre réunion. Je ne sais pas quand. Est-ce que c'est le roi qui va convoquer la réunion, proposer des dates? Si vous pensez que dans un mois, le mois d'avril arrive, je pense que c'est possible. On trouve un samedi comme ça, on se retrouve pour la deuxième fois. Là, il faut qu'on soit quand même un peu plus nombreux. Amener quand même... C'est la pluie, là. Amener quand même les sapeurs. Je pense que dans un mois, on va déjà voir le soleil. Peut-être que probablement, ça va se passer... Il y a déjà été appelé, comme il a plu, là. Ça va se passer dans la cour. Donc, nous allons... je pense que nous... Le principe est acquis, Philippe-Jeune. Non, le principe est acquis. Donc, il nous faut une nouvelle date. La nouvelle date, je pense que le roi... On te laisse avec Ben, vous nous informez que telle date, un samedi, le soir comme ça là, on va encore cotiser, on va manger dans l'ambiance et tout. Et puis les sapeurs vont venir, on va maintenant mettre les choses en place puisque finalement l'accord de principe est acquis ce soir. C'est-à-dire que le 28 mars, on va diffuser l'information comme une traînée de poudre dans le monde entier, que désormais le 28 mars... Enfin, quand même, ce qui me fait mal, c'est nous qui avons créé ça, quoi, le Congo après les indépendances. Et que nous, on prend la responsabilité, on diffuse l'information que désormais, tous les 28 mars, c'est la journée mondiale de la SAP. Avec des thèmes. Il ne faut pas que seulement qu'on vienne présenter nos habits et tout, mais il faut dire, voilà, telle année, le thème, c'est quoi? C'est la santé. Nous, on peut mettre une équipe de sapeurs, des médecins, pour prendre l'attention aux gens et tout. Oui. Et puis effectivement, on est bien habillé, on fait la fête, et tout, voilà, on appelle les grandes chaînes de télévision qui filment, que finalement les sapeurs, c'est une sorte... Voilà, les sapeurs, parfois, c'est comme à l'époque, les musées étaient des voyous. Hein. Vous disiez que les musées étaient des voyous. La synthèse, nous on va virer le verre. Est-ce que je peux ajouter un mot? Vas-y, parce qu'on va nous sortir. Allez, tambour. Excellent, toi. Oui, mais moi, je voulais quand même que le roi, tu proposes une date. Regarde le calendrier. Non, on va voir Ben. En attendant, ça viendra après. Oui. Quand vous parlez de la création de la journée de la SAP, mondiale de la SAP, moi, je pense que la journée et la date est déjà là. C'est le 28 mars. C'est à qui? Voilà. Et quand vous parlez qu'on va inviter des gens. Déjà là, nous sommes 14 déjà. Nous sommes déjà nombreux. Et quand vous parlez, vous allez inviter des télévisions. Il n'y aura pas de télévision. C'est comme une association. Ça dit ce que nous sommes en train de faire là. C'est comme une association. Ça commence ici et ça va aller en Afrique, partout. Voilà, au-delà des. Voilà. Donc déjà, comme la journée, elle est déjà là, c'est le 28 mars. Ce qu'on va faire, c'est de trouver encore peut-être une deuxième, dans le mois prochain, une autre date pour faire la réunion. Mais la journée de la mondiale, ça fait acquis déjà là. Et la journée le 28 mars. C'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que la prochaine fois, on va préparer la journée mondiale de la SAP de 2025, avec un thème. Voilà. Maintenant, il faut qu'on mette ça sur un support. C'est-à-dire qu'il faut qu'on écrive, il faut que ça soit bien retracé et tout. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et après, on va diffuser que, par exemple, le 28 mars 2025, c'est la journée mondiale de la SAP, il y aura tel thème. Parce qu'il ne faut pas seulement mettre la journée de la SAP et puis, bon, voilà, tu viens, tu défiles et tout. Non, il faut qu'il y ait un thème. Donc, c'est pourquoi la deuxième réunion est importante
pour qu'on mette tout sur le support. Maintenant, si aujourd'hui... On peut même faire 10 réunions, il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la journée du mondial de la salle, c'est le 28 mars, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on mette ça sur un support. D'accord. Voilà, c'est lui qui a trouvé l'idée, il est là. Donc, lui, il sait. Moi, je pense que, vu qu'on a déjà la date, il nous avait dit que l'année prochaine, on va fêter ça dans une salle. C'est pas comme ça, le monde. Donc, ce qu'on va parler après, c'est de faire des réunions. Comment on va faire pour organiser la prochaine réunion? Non, on va chercher une date pour la prochaine réunion, parce que moi, je veux qu'on fasse, qu'on crée un bureau. Excusez-nous, on va faire une petite synthèse. C'est parti. Je m'appelle Monsieur Flavien Guimi, habitant la Grande-Bretagne. J'ai été invité par le roi de la SAP, le grand frère Djobala, pour assister à une réunion de la journée mondiale de la SAP. J'ai appris beaucoup de choses. Et je m'aimerais aussi apporter un plus. J'ai écouté, lorsque le grand Ben a parlé, d'un écrivain français au nom de Baudelaire, qui a fait la littérature française. Mais je voudrais lui répondre en lui disant ceci. Mais il est souvent invité à l'UNESCO. Il rencontre Alain Babanko. Nous avons aussi beaucoup des écrivains congolais. Mais pourquoi ne pas, vu son autorité, essayer de lui ressembler afin d'écrire sur notre sociologie, que nous appelons souvent la sapologie ou la SAP, quand les acteurs qui sont encore vivants, que chacun puisse expliquer selon son époque. Tout à l'heure, j'ai écouté le roi qui parle des années 70 lorsqu'il était millionnaire. Et lorsque vous avez intervenu en expliquant l'histoire de Marie Mali dans les années 70, je crois qu'il y a eu un petit couac. Donc, lorsque le grand frère Sona a parlé de la Mecque, où il parlait de la SAP, celui qui a créé le mot SAP, je crois SAP, non? Oui. Il y a eu aussi, voilà, l'enfant mystère. Aussitôt, j'ai vu la réaction du roi. Donc, ce que je pourrais leur dire, c'est de trouver un consensus, d'harmoniser et parler selon les époques. Philosophie, son époque, oui. Son époque. Nous aussi, nous avons notre époque. Et à partir de là, nous aurions la vraie histoire qui a créé le mot SAP, comme a dit le grand Ben Moukacha. Quand le grand Ben explique le mot sap, je crois qu'il y a un blanc qui avait dit à l'autre, mais vous êtes sapé. À Loubaki. Ah, c'était qui? Loubaki, hein? Loubaki, l'enfant mystère. L'enfant mystère. Et tu vas saper le moral. C'est de lui dont vous parlez, grand Ben. L'enfant mystère. L'enfant mystère, et c'est là où est venu le mot de la SAP. C'est sur le ballon. Bon, voilà. Là, il y a confusion. Maintenant, lorsque nous avons écouté les premiers... Je te coupe juste la parole pour une 30 secondes, et puis tu la reprends. Mais tu es en train de faire une synthèse. Non. Ça dit qu'il y a deux... Là, on est en face de deux phénomènes. Oui. Le premier phénomène, c'est la création de la journée internationale de la SAP. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la SAP. D'accord. Maintenant, deuxième rubrique, s'il faut parler de l'histoire de la SAP, ça sera entre les sapeurs. Oui. Il faut qu'on trouve un consensus là-dessus. Voilà, ça n'a rien à voir. Il faut s'accorder. Aujourd'hui, c'est la création de la journée mondiale de la SAP. Ça, si c'est acté. Ils vont s'accorder. Mais là, l'histoire de la SAP. Ils vont s'accorder. Même pas l'année prochaine. Il va toujours avoir des contradictions. Tout à fait. Donc, ça, c'est autre chose. D'accord ? Voilà. Je voulais juste qu'on termine. Tu peux reprendre la parole. Non, si j'ai voulu élucider cela, c'est pour que nous ayons une bonne histoire de... Il n'y en aura pas. Comment il n'y en aura pas ?
C'est comme le football. Est-ce que tu connais l'histoire biblique? Même de la Bible. Même Pelé. Il y a des choses qui sont racontées de la Bible. Et quand tu vas aller sur le plan pratique, c'est quoi des mots comme ça? Oui, mais après nous, moi je pense que l'époque. Après les débats pourront continuer entre vous. Vas-y, vas-y. Voilà, mais pour ce soir, nous. Attendez une seconde. C'est parti. Voilà, pour ce soir, on date du 23 mars 2024. Il y a une réunion qui s'est tenue là, chez le roi de la sape, où les grands sapeurs étaient présents. C'était le but, c'était de créer une journée mondiale de la sape. Parce qu'il est hors de question que la sape soit mise à l'écart, alors qu'il y a des générations ascendantes qui aujourd'hui n'en parlent pas trop. Donc pour perpétuer ce mouvement, il aurait fallu qu'effectivement qu'on crée une journée mondiale de la SAP. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est dit qu'à partir de l'année prochaine et les autres années, tous les 28 mars, on va fêter la journée mondiale de la SAP. Voilà, c'était le dit de cette année. Merci. Ce serait une bonne idée aussi. Cette date, dans des années à venir, que le gouvernement aussi de chaque État puisse considérer cette date afin que ce soit une date fériée aussi. Pourquoi pas? C'est un travail. C'est un travail de fond, comme voilà. Vous avez raison. Peut-être 2025, ce ne sera pas ici, mais au moins. Avant que nous puissions fermer les yeux, je pense que ça peut se réaliser. Voilà. Vraiment, c'est une très bonne idée. Venons. Que ce soit pour le 28 mars de chaque année, et ça commencera pour l'année prochaine, déjà en 2025. Et d'ailleurs, vous aurez d'autres informations par les canaux habituels. Et puis voilà, donc en tout cas, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que on était là, Nokosona Ekembe, Vanessa qui est là, Vanessa une journaliste, Flavien Gimbi, Orti, ma cousine Orti, Banadol Bazali, tout ça, Yadjo Bala, bien sûr Nkoumou, lui-même il est là. Duka est aussi, très content, Philippe Jeune était là, et là aussi, et nous sommes très heureux, merci. Tu m'as oublié quand même. Nous consommons, merci, Cardinal Burel, le juré. Cardinal, non, j'ai dit, merci Cardinal, parce que non, je devais te remercier à la fin en fait. Cardinal, je te remercie, merci. Et c'est toi, c'est l'imagerie, c'est toi qui immortalise tout ça. Et nous avons un autre qui est là, qui est Koumou, qui est de Zena TV. Zena TV, merci. Zena TV, merci. Et puis voilà, Vanessa aussi qui présente une émission sur Télé Congo. Hein, très belle émission, hein. Voilà. Ah, merci bien. En tout cas, vous avez compris ce qu'on est venu vous dire ici. On a déjà tout parlé, donc c'est fini. On se prépare maintenant la prochaine date de réunion. Merci. 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 Bon, la prochaine réunion, c'est pour quand? Ben. La prochaine réunion, nous allons attendre les beaux jours. Parce que là, nous rentrons, soit on fait la fin du mois d'avril, soit on fait ça au début du mois de mai. Parce que moi, les journées, après que nous sommes nous contentons quand on sort sur le début du mois d'avril. Est-ce que je peux t'apporter ça? Tu prends même tout. Hein? Est-ce que tu comprends? Oui, il y a des synonymes. Ok. Il y a toujours une question pour le voyage. Oui, il y a toujours une question de partir. Merci beaucoup. Tu vas en parler le 28 mars. Le 28 mars. Le jour mondial de la SAP. Attends, je vais te donner ma carte. Je ne sais pas si j'ai encore une. Ah, mon Dieu. Vous allez s'engueuler. Allez, retour. Merci. Vous êtes taxi pour moi, cher. Je m'appelle et puis... Oh non, je suis argent.
n'y a pas de problème. Mais en tout cas, bravo. Non, c'est pas ça, mais... Le chef lui fait peur. On connaît un peuple. On compte sur vous, c'est le sujet d'activer le peuple. Faut-il qu'on va là, moi. Vous achetez pas mal à pas mal à dire. Le bon assis, le matin, on a l'air à vous. Vous allez voir Olivier à l'objet, avant que c'est gagné mon mot. D'accord. Oh!
le roi, voilà, il y a une réunion qui s'est tenue ici chez toi, que tu avais bien souhaité, voilà, pour la création de la journée mondiale de la SAP. En une minute, que penses-tu de cette réunion? Pourquoi as-tu eu cette idée? Bon, l'idée m'est venue parce que, bon, vous savez que les femmes, ils ont la journée de la femme et pourquoi pas des sapeurs. Cette idée m'est venue et puis bon, j'ai lancé, c'est parti. Voilà, les gens ont accepté, ils ont adopté, ils ont aimé. Bon, ok, merci beaucoup le roi, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Ben Moukacha. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez bonsoir, tenu, vous avez tenu Mordicus à être là. Oui, bien sûr. Créateur de la sapologie. Alors, la, cette réunion, on a tenu cette réunion pour créer la journée mondiale de la SAP. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, c'est une très très bonne idée. Venant initiée par Yadjo Ballard, le roi de la SAP. En tout cas, je suis content. Je pense que c'est des moments comme ça. C'est des choses comme ça où on fait avancer le SMEBIC. Et puis, ben voilà, donc moi je pense que on se tient la main dans la main pour dire que les choses sérieuses commencent. Une question personnelle, il y a longtemps que tu es là, ça. Quand est-ce que tu vas lâcher? Mais on ne lâche pas, c'est jusqu'à sa vie. C'est moi je suis le président à vie, père fondateur de la SAP, c'est sa vie. Voilà. C'est Dieu de la vie à la mort. On ne meurt pas, un sapeur ne meurt pas, il est vivant à la droite de Dieu. Merci beaucoup Ben Moukacha, ça a été un plaisir. Merci. Réunion et tout, qu'est-ce que vous êtes dit à cette réunion-là? Merci déjà de m'avoir adressé la parole. Bon, cette réunion-là, bon, je suis très, très content pour l'initiative de Joe Ballard. Il a trouvé une bonne date le 28 mars. Comme mars chaque aussi, année. Bon, moi je suis né au mois de mars. Donc, moi je suis né le 16, donc 12 jours après de ma naissance, c'est la journée mondiale de la SAP. Donc, je suis très très content de cette initiative. Mais tu es un sapeur, mais depuis le 20e siècle, où nous sommes au 21e siècle. Oui. Quand est-ce que tu vas lâcher finalement? Lâcher. Je vais lâcher le jour que je serai sous terre. Sous terre. D'accord. Tu seras à droite de Dieu à non, ce moment. À gauche. À gauche de Dieu. Oui. D'accord. Parce que à droite, c'est Satan. D'accord. La SAP, c'est toujours à gauche. Oui, toujours ouais. Bien habillé et toujours tout. Toujours bien habillé. Non, mais oui. Franchement. Voilà, ok, voilà. Mais merci beaucoup. Hein, c'est moi qui te remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Que la SAP soit dans vos esprits et donc toujours voit-à-go. Ah, les Congolais, c'est des fous. Fusion et d'adhésion. Oui, le grand palais. Les gens. Non, je rigole. Je suis très ravi. C'est avec une émotion toute particulière que je t'interview. Je me suis improvisé journaliste. Depuis combien de temps, ça fait combien d'années tu es sapeur? Oh là là, je suis sapeur avant que je vienne en France parce que en 1983, j'étais dans un club qu'on appelait le Gianosifer delle Piazze d'Italia. Donc, imaginez en 83, ouais. Donc j'étais sapeur, je veux dire, moi, en 1976. Donc, tu fais partie des anciens sapeurs, un des grands sapeurs sur la place de Paris. Toujours. Alors, ce soir, qu'est-ce qui vous a amené chez le roi de la SAP? Ben, déjà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais reçu une convocation envoyée par Yabikin, l'apôtre Burel, qui m'a envoyé la convocation en disant que voilà, il y a une journée, il y a une réunion, on va se réunir chez Yadjo. Ben, il fallait que je vienne, pourquoi? Déjà, c'est une bonne idée, une très bonne idée. Et moi, je me rappelle, il y a au moins 4 ans de cela, mais Philizone, pourquoi vous ne créez pas une association de la SAP? Évidemment, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y en a. Non, je pense pas. Voilà, il n'y a pas une association des sapeurs, il n'y a pas. Et là, Yadjo Ballard, il a eu une idée de créer, il a créé cette date. Ben, j'ai dit, bon,
pourquoi ne pas épauler Yadjo Ballard, puisque c'est une bonne idée. Et c'est pour cela que je suis venu et je suis prêt d'être à côté de lui pour apporter ce que je peux apporter comme idée. Sur le plan personnel, tu vieillis pas toi, hein? Je vieillis pas. Sapeur, je vieillis pas. Et bon, tu parais comme un garçon de 16 ans. C'est quoi ton secret? Voilà, et pourtant j'ai plus de... Mais bon, voilà. C'est bien. Voilà, c'était Philizoni. Je vais donner mon secret à monsieur Nguimbi. Le Poutine. L'anglais. Voilà, toujours. Voilà, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les deux. Alors, là, ce soir, on a reçu un Anglais qui vient de Londres. Voilà, qui a un mot à dire sur cette création de la journée mondiale de la SAP. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je voudrais d'abord... Est-ce que tu peux nous dire un mot en anglais? Thank you for interviewing me about the World Day of the SAP. I was invited by the King of the SAP. So I honor him. That's why I'm here in France. Alors, donc, ça, c'est déjà pour les sapeurs qui sont dans les pays anglophones. Hein. C'est un Anglais qui parle. Alors, ce soir, il y a eu une réunion chez Joe Ballard pour la création de la journée mondiale de la SAP. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est une bonne initiative parce que c'est le roi qui a eu cette initiative. Nous ne pouvons que se réjouir. Et je lance un appel solennel à nos autorités pour qu'ils puissent prendre cette date comme une journée spéciale pour les sapeurs. Je crois que c'est une culture que nous devrons prendre comme étant notre leitmotiv au niveau de l'Afrique. Ça me fait mal que certains pays puissent s'accaparer de la sapologie. Tandis que nous, les Congolais, étant les créateurs, nous avons abandonné. Et actuellement, nous devrions être derrière les grands, tels que le Ben Moukacha, les Yadjo Ballard, pour leur donner du tonus, raison pour laquelle, les Philizoni, raison pour laquelle nous devrions... Il a passé toute sa vie dans la SAP. Bon, la SAP est de génération en génération. Comme on dit, il faut toujours respecter ceux qui ont vécu. Et raison pour laquelle on est là, pour leur soutenir. Merci beaucoup pour donner des impressions et tout. Voilà. Je pense que j'ai... Voilà, à mon micro, j'ai Mugana Mwana Dolizi, un fauve de Dolizi. Fauve d'Ignari, toujours. Non, fauve de Dolizi va interviewer un autre fauve de Dolizi. Voilà. Bon, nge Mekusalaoy. Bon, d'abord, sincère félicitations à Yadjo, parce que le Real me félicite mon invitation. J'ai pas hésité de lui répondre et je l'ai appelé. J'ai dit, Yadjo, je serai bel et bien là. Je serai chez toi ce jour-là. Donc, si mon cousin, c'est parce que Mambiaï, y a me concerné Beto. Journée internationale de la SAP. Mondiale. Journée mondiale de la SAP. Ça nous concerne tous. On est Congolais, ça fait partie de nos fibres. Donc voilà pourquoi... Donc tu veux dire que tout Congolais en naissant est potentiel, c'est un potentiel sapeur. Tout Congolais est sapeur. Tout Congolais est sapeur. Donc moi, dès que j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, tiens, j'ai appelé Yadjo pour lui dire que mon grand, je serai chez toi le samedi. Est-ce que tu as un message à lancer à Banadol ici? Banadol. Bon, Banadol, voilà, toujours. Et sans oublier les fauves du Nari, la grande équipe. Les fauves du Nari. Voilà, toujours. Donc voilà. Là, on est chez Yadjo. C'est Mano, le leader de la génération future. Donc, on est là, on est chez Yadjo Ballard. Nous, les Congolais, on est encore à l'étape embryonnaire pour organiser la journée internationale de la SAP, la journée mondiale de la SAP. Mais c'est une journée qui nous concerne tous, Banadol,
tous les Congolais. Bah, ok, merci beaucoup. Et je voulais juste rajouter, s'il te plaît, mettez-vous là, ça. Voilà. Il y a une fanzone. Voilà. Viens à sa lumière. Voilà. Donc, je voulais juste rajouter, comme disait Amadou en Pateba, concernant la culture orale. Donc, nous aussi, la sable doit rentrer dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, Yabène est là. On va se battre. Avec Yabène, on va se battre. Parce que voilà. Moi, j'ai interviewé. Nous allons féminiser un peu le milieu, hein, parce qu'on a interviewé que les hommes et tout. Nous avons besoin d'une femme. Madame, s'il vous plaît, vous avez participé activement à la réunion. D'abord, présentez-vous. Bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Orti. Je serai à l'aise en Kikongo, quoi. Voilà. C'est mieux. Ngeke est bien habillé. Merci. Ah, les Congolais, franchement. Alors, il y a aussi qui est à Djobala. Mais qui soutenir l'idée à Djo. Ça, mon idée à SAP le 28 mars. Grand mec qui soutenir et Andy. Vraiment, c'est vrai, vraiment, il y a une journée, quoi. Je sais que y a des gens qui sont mais il y a des vrais qui sont. Il y a des gens qui sont. Quel sens? Ma mère est depuis Tama. Ma mère est apologie et Boubi avec mes habits. Je vais dire à Tama, il n'y a pas de camp. Au bas, il n'y a pas de camp, tout. Je vais pointer mon grand brasa. Dans le temps, de côté à place. Je suis congolaise. Oui, je suis congolaise. Voilà. Je vais dire à la bille, moi, je suis boum. Je vais réveiller. Je vais sortir de la bille, papa Inda. Mais il ne peut pas te dire, il ne peut pas te dire. Mais Boubi, tu sais, il n'y a pas de sapologie. Monsieur l'a dit taigne mais dans le temps peut-être nous attend du papa qui même pas pour tchurangi vraiment mais c'est la catch mambin vraiment moi mon que la catch mambin quoi on bana sa pour le jubou bien élevé mais ça se voit ouais on bana sa pour le jubou bien élevé avec qui met ta mamouzaba donc avec les étrangers dans nous donc peut-être ça continuer quand la mambi façon les autres façon les maisons ça faut pas écrire bical faut sonika ah mon bana mon moyen ni façon mais dans le temps tu dis vanda ka peut-être ça va arriver. Bon, ils ont arrivé au bazar, donc je vais expliquer ce qui est venu en dessous. Mais vraiment. Merci, maman. Mais je pense que la prochaine réunion, il faut que tu vas nous aussi. Si, je vais vous dire. Parce que le prochain, nous les hommes, on est. Non, alors, on pense qu'on est majoritaire. Non, c'est pas qu'on ne veut pas les femmes. Donc, il faut la prochaine fois. Voilà, quand on va retenir une date, il faut qu'il y ait un tabaquet et tout. Et tu es déjà bien sapé. Ah, mon auto là, nous y aillons. Mon Dieu. Ah, là, tu as combien 1500 euros. Ah! Bika, vous avez quand même appris, Bika. Voilà. Mais écoutez, vous avez vu, nous étions dans une atmosphère conviviale. On a tenu une réunion pour la création de la journée mondiale de la SAP. Donc désormais, à tous les Africains, à tous les Caucasiens, à tous les Asiatiques, à tous les Américains, il y aura une journée mondiale de la SAP dès 2025. Voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. Je vous dis bye bye, hein, et puis bon week-end, voilà, pour cette soirée. Allez, au revoir et à bientôt. C'est bon? Alors, donc, pour vous dire au revoir ce soir, derrière la caméra, c'était Cardinal Burel, le spécialiste. Il est à fond, voilà. C'est lui qui a couvert cette réunion. Et votre présentateur, monsieur Serge Ducas. Je vous dis, on va se retrouver incessamment sous peu. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon week-end.